Salut tout le monde, aujourd'hui on va simplement jouer à Clash Royale, on va se faire un petit pack opening, après on se fera deux petites attaques et après on ouvrira le coffre à couronne, c'est parti! Donc du coup on se retrouve avec le petit pack opening, oui petit parce qu'il n'y a pas grand chose, oui je suis pas très riche hein, donc j'en suis désolé mais c'est comme ça, voilà. Donc du coup on va ouvrir coffre d'argent, tu vois, on speed là, je sais pas pourquoi j'ai envie de speeder, tu vois, à chaque fois ça dure genre 15 minutes les vidéos, c'est long, alors 45 d'or ça fait plaisir, une boule de feu ça fait moyennement plaisir mais ça fait quand même plaisir et 8 géants royal, on passe. 8 géants royal, c'est pas trop mon kiff, mais c'est pas très grave, ça reste des cartes quand même, ça fait plaisir. 50 d'or, ça fait plaisir. 2 géants royal, tant mieux. Et 7 mortiers. Voilà. Là, par contre, là, je peux rien dire. Là, non, c'est nul. Là, c'est vraiment nul, ouais. Bon, allez, c'est parti, on continue, c'est pas grave. On a eu un petit moment d'égarement, c'est pas très grave. 49 d'or, ça fait plaisir, comme d'habitude. Une chevaucheur de cochon. Non, enfin, essaye pas de faire la conjugaison. Tais-toi, non, ne dis rien. Ne fais pas la conjugaison. Arrête, ne fais pas la conjugaison, gros. Putain, j'espère que tu connais. Oh, j'espère que tu connais pas le français. Bon, allez. Et pourquoi? Pourquoi je suis aussi con? Désolé pour le gros mot. Allez, c'est parti, on continue. 8 géants royal. C'est pas cool, mais c'est pas très grave. Non, mais franchement, je suis fatigué. Allez, hop, coffre gratuit. Coffre gratuit. Donc ça, 68 d'or, ça fait plaisir. 2 gemmes. D'ailleurs, hier, là, on a amélioré... Enfin, si, attends. Oui, c'est ça. Hier, on a amélioré la horde de gargouilles. Oh, ça nous a coûté une blinde. Po. Mais non, il nous reste plus que dalle. On était à plus de 10 000. Maintenant, on est à peine à 3 000 et tout, quoi. C'est hallucinant. Alors, 2 gemmes, ça fait plaisir. Une pierre tombale, ça fait plaisir. Moyennement plaisir, on va dire. Et... Mais pourquoi tu me donnes à chaque fois des géants royal? Bah, c'est peut-être parce qu'elles sont dans ton arène. Ah oui, effectivement, oui. C'est vrai que c'est pas bête. Mais bon, c'est énervant, quoi. Hein. Bon, alors, coffre gratuit. Qu'est-ce que ça donne? 65 d'or. C'était combien tout à l'heure? C'était 60... 66, je crois. Non, je sais plus du tout. Je sais plus. Une... À chaque fois, je me fais avoir, tu sais. Une, 3 mousquetaires, c'est... Ça fait bizarre, tu vois. Bah, 3 mousquetaires, du coup, enfin... Ouais, mais c'est chiant, hein. Oh, encore désolé pour le gros mot. Alors, 8 géants royal, mais t'es sérieux, oh. Oh, t'es sérieux, là. Non, mais franchement. Et là, les géants royal, il est au taquet, là. Hop là. Ah, il y va, donf. Ok, donc s'il y a moyen d'ouvrir le coffre d'or, là on termine avec un bon petit coffre d'or. Là, non, tu vas voir. Non, je te le dis rien, mais je te le dis, t'inquiète. Alors, 189 d'or. Oh, on a dépassé 3000, ça fait plaisir. 189 d'or, 6 squelettes. J'ai du mal à dire les cartes. Donc 6 squelettes, ça fait plaisir. J'ai beaucoup utilisé le squelette, mais alors vraiment. Et puis, il y a un moment où je l'utilisais plus. Et puis après, il a été baissé à 3 squelettes. Du coup, j'ai encore moins utilisé. Ouais, mais c'est la première commune que j'ai améliorée niveau 9. Donc du coup, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai boosté le niveau... Enfin, le squelette. Voilà, donc, alors, 9 géants royal. Bon, bah, ça me plaît toujours autant pas. 11 canons, bah, c'est toujours pareil. Hein, ça reste un bâtiment défensif. J'arrive pas à l'utiliser, c'est comme ça. Et, voilà, 3 Valkyries, je t'avais dit que ça allait être de la balle. Je t'avais dit. Enfin non, je t'avais pas dit du coup, parce que je t'ai dit que je t'ai... Enfin, je t'ai dit, je te le dis, mais au final, je te le dis pas. C'est comment... Je sais plus comment j'ai dit, enfin, t'as compris quoi. Mais au final, je te l'ai pas dit, tu vois. Mais j'en étais sûr, tu vois, qu'il allait avoir un bon truc, tu vois. Et 3 Valkyries, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est génial. Voilà, 3 Valkyries, quoi. Et franchement, on se fait plaisir. Alors, ce qu'on va faire, ça va pas être compliqué. Non, franchement, je t'assure, ça va pas être très compliqué. On va tout simplement attaquer. On va se faire 2 petites attaques. Et après, on ouvrira le coffre à couronne. T'es d'accord? Ok, pas de soucis. Bah, allez, c'est parti, suis-moi. Et c'est parti, on est contre Jaewon Tong, qui est niveau 8 sur la reine 8. Oh mince, désolé, je suis en désolé. J'ai pas fait exprès. Bah, allez, bonne chance. Bonne chance. Bah, allez, c'est parti. Mos de lave, on va l'exploser. J'ai eu un petit doute, tu vois, en disant ça, parce que j'ai vu les barbares. Je me dis, oula, ça commence mal. Très très mal. Mais bon, c'est pas très rare, on va quand même y arriver, vous inquiétez pas, on est des fous nous. On va envoyer ça là. Voilà, ok. Alors lui, il a bien attendu pour la sorcière de...
Pour la sorcière, ou tout simplement, sorcière de glace, mais pourquoi pas? Non, mais pour la sorcière, oui, elle a bien entendu, hein. Donc j'espère que je vais comme réussir à pouvoir un petit peu tout dézinguer. Ah, j'ai oublié de changer, là, le sort de rage. Oh là là, j'ai fait comme hier, quoi. C'est pas très grave, on va pas pleurer, hein. Non, mais je les remettrai, les gardes, vous inquiétez pas. Pour la deuxième attaque, allez, on est fou. Je mets les gardes pour la deuxième attaque. Ça passe ou pas? Ouais, ça passe plutôt bien, hein. Ouais, ça passe. Bon, alors ce qu'on va faire, ça va être étonnant, on va mettre des petites archers. On va mettre... Je pense qu'on va laisser ça comme ça. Ouais, ça me paraît bien, moi. Ouais, ça me paraît très très bien. Bon, allez, c'est parti, on envoie le mousse de lave. Après le mousse de lave, qu'est-ce qu'on va faire? On défend ou on attaque? Allez. Tu sais quoi, je vais envoyer ça. Je vais envoyer ça, c'est pas très grave. Voilà, je suis vraiment, vraiment, vraiment... Un grand malade, parce que je vais me faire... Mais bon, on sait jamais, ça peut passer. Qui ne tente rien à rien. Bon, c'est un peu basique, c'est un peu nul. Mais qu'est-ce que je te dis, c'est vrai. À part ça, il faudrait peut-être que... Je vais mettre des archers, non? Ah là là, mais ça va quand même, je vais prendre une tour, c'est déjà plutôt pas mal. Est-ce que je vais en prendre max? Regardez là-haut. Oh là 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 là, mais comment je lui mets? Je le finis. Alors là, d'expawner, je m'en fous, je le finis. Bon, il n'est pas non plus extrêmement spawner, mais il est déjà quand même plutôt pas mal spawner. Mais bon, c'est pas très grave, moi je le finis, moi je m'en fous. En plus, il a que la sorcière pour me contrer, donc c'est pas non plus énorme. Ah si, là, il est dehors de gargouille, j'avais pas vu. Ça passe ou pas? Ouais, ça passe. Oh, est-ce que... Oui, bah ça passe carrément. Ce qu'on va faire, on va faire ça, et on va faire le cochon, je pense. Ouais, non, ce serait trop méchant. On va faire ça. On va lancer le... Non, le sort de rage. Sort de rage. Allez, sort de rage. Là, ça passe. Allez, première attaque, il se passe trop, trop bien. Le sort de rage, indispensable. Voilà. Non, mais je remets les gardes, vous inquiétez pas. On se fait un petit sort de rage, là. Oh là là, en plus, coffre d'arène 8. Bon, c'est qu'un coffre en argent, heureusement, d'ailleurs. Imagine, ça aurait été un super coffre magique d'arène 8. J'aurais eu le seum. Elle va me dire, mais pourquoi? Justement, c'est bien, tu vois. Ouais, mais non, parce qu'imagine... Si la reine 8, eh ben ça veut dire que j'aurai moins de chance d'avoir ma petite princesse, tu vois, et moi ça me fout les boules. Voilà. Moi je vous dis à tout de suite pour une deuxième attaque. On va changer le deck, on va remettre les gardes à la place du sort de rage. Voilà. Et donc du coup moi je vous dis à tout de suite, c'est parti. Allez c'est parti, on est contre Huss, Kenny Bonneuf. J'ai de l'air coincé dans la gorge, c'est pas très grave, ça risque de passer. Voilà. Je préviens au cas où, tu vois, pour pas paraître mal poli. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un petit molosse de lave. Bah en fait, j'ai pas d'autre idée là. C'est tout? Mais non. Mais toi, t'es génial. Toi, le genre de personnes comme ça qui font n'importe quoi. Mais je les aime, je les adore, je les kiffe. C'est un truc de fou. Alors ce qu'on va faire, on va envoyer ça. Oh là là, mais je le kiffe le mec. Oh, mais il fait, ah là, mais il fait n'importe quoi. Regardez. Juste une petite horde de gargouilles et normalement ça passe. Ça passe bien. En plus, à son niveau 10, là, je te le dis, le kiff total. Regarde, en 2 secondes chrono, gros. En 2 secondes chrono. On va mettre le sorcier. Sorcier, ça passe. Je m'en fous qu'il soit 21h, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Regardez ce qui se passe, les gars. Regardez. Non. Mais c'est sérieux? Mais non, c'est pas possible. Mais non, regardez-moi ça. En plus, il croit faire quelque chose avec ce truc. Regarde. Drac. Et c'est fini, voilà. Mais non. Franchement, j'adore. Alors là, j'adore. Allez hop, c'est parti, petit garde. Et bim. Qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? Ça fait 6 coups que t'as devant toi. Donc avant de faire tes 6 coups, mon petit, t'es ben dans le caca. Eh, franchement, mais alors là, mais... Et quand ça commence trop bien comme ça, eh ben, généralement, je me fais exploser. Mais c'est pas très grave, non, je déconne. Mais non, c'est trop bien. C'est trop bien, mon petit. Oh, regardez, en plus, ça continue. Mais ça continue, mais attends, mais... Oh, les archers, franchement, les archers, c'est primordial. Mais alors là, mais ça coûte pas cher, mais c'est tellement puissant de ouf. C'est un truc de fou. Bon, vous savez quoi? On va lancer ça. On va lancer du petit sorcier, on va se faire plaisir, vous inquiétez pas. C'est vrai qu'il a du... C'est vrai qu'il y a du PK, c'est pas grave, on va faire avec, on va lancer les petites archers. Hop là, tranquillou. Est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Oh, ça passe carrément. Mais regarde, mon gars, les petits gardes, et c'est fini. Et voilà, c'est fini. Salut. Oh, j'adore. Et je kiffe. Franchement, je kiffe. Alors là, oh là 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 là, regardez-moi ça là-haut, là. Oh, le mec, c'est limite s'il arrive pas à me prendre une seule tour, quoi. C'est limite, j'ai dit. J'ai pas dit qu'il me prenait pas une tour. C'était limite, c'est tout. C'est différent. Bon, c'est quoi?
Je sens que je suis en train de me faire exploser, donc du coup ça m'énerve un peu. Je vais changer de technique parce que j'avoue que j'ai mal joué. J'ai très très mal joué, donc du coup hop, on va l'envoyer ça. On va envoyer ça. Ça devrait être plutôt bien le faire, voilà. Ok. Mais non, mais la sorcière, gros, la sorcière. Mais t'es nul, c'est pas possible, comment t'es nul? Bon, c'est pas très... C'est quoi, ça m'a saoulé? C'est quoi, ça m'a saoulé? Je vais faire ça. Je vais envoyer le sorcier de glace. Et puis, on va pas s'énerver bien longtemps. Hein. Hop, là, et puis c'est fini. Allez, salut. Moi, je te dis, là, c'est fini de ouf. Eh non, vas-y, mais sa sorcière, quoi. Oh, mais c'est pas possible. Oh, c'est déjà fini? C'est déjà fini. Ok, bah, je pensais pas que... Ah, j'ai gagné! Ah, j'ai gagné! Ah, mais j'ai gagné! Ah, mais ouais! Je pensais que c'était égalité, moi! C'est pour ça que j'ai été étonné que c'était déjà fini! Tu vois la réaction? Enfin, le temps de réaction, genre, oh bah, c'est déjà fini! C'est genre, bon, bah, c'est pas grave, je vais faire un autre combat et puis je mettrai un autre combat, tu vois! Puis finalement, eh ben, j'ai gagné! Voilà, donc, je suis content, voilà, donc une tour à deux, bah, ça fait, enfin, deux tours à un, plutôt, c'est, voilà. ça fait plaisir, effectivement! Et bah voilà, je pense que je vais vous laisser sur ce du coup, hein. Enfin, je vais vous laisser sur ce avec le coffre à couronne, bien entendu, hein. Voilà, hein, j'ai dit au début qu'on allait le faire, on va pas non plus se mentir, hein, bien entendu. Et donc du coup, bah moi je vous dis à tout de suite pour le coffre à couronne, c'est parti. Ah là là, ah, je suis niveau 8. Non, je suis arène 8. Ah là là, je suis arène 8. Ah, c'est génial. Regardez ce que je peux gagner. Oh, le bûcheron. C'est génial! C'est génial! Ouais! Youpi! Ouais! Youpi! Ouais! Youpi! Ouais, c'est bon, j'arrête. Ouais, c'est bon, j'arrête. Oh là là! Mais je m'en fous de t'en arrêter 8! Bon, j'ai dit que j'allais pas rester à une 8, mais bon. J'avoue que j'ai vu 2-3 gameplays. J'avoue! Franchement, j'avoue que j'ai vu 2-3 gameplays sur le bûcheron. Là, je vais pas vous le cacher. Je vais pas vous le cacher, j'ai vu 2-3 gameplays. C'est vrai que, je suis un peu avec le sourire, effectivement, j'avais oublié que le bûcheron était quand même assez costaud. Je savais hein, que c'était lui qui était là, hein. Mais moi je joue absolument princesse, c'est pour ça, donc je sais. C'est vrai que maintenant j'ai un doute. Est-ce que, bah de toute façon je pense que je vais pas réussir à rester à Rennes 7, parce que, enfin à Rennes 8, parce que je suis pas non plus, je suis pas le meilleur des meilleurs, mais c'est vrai que si je peux avoir le bûcheron, finalement, ouais franchement, je sais pas. J'aime bien la princesse, quoi. Je sais pas, tu sais, ça fait comme des flèches et tout. Enfin, comme, tu vois, des flèches, quoi. Donc, du coup, c'est plutôt pas mal, tu vois. Ça défonce tout. Surtout les hordes de gargouilles et tout, quoi. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Bon, allez, on va pas non plus durer 10 ans. Hein, après, ça dure toujours 10 ans, voilà. Tout simplement. Bon, alors, voilà. je m'enfonce, tu vois. Alors, juste, j'ai ouvert, sans faire exprès. J'ai ouvert le coffre, voilà. Donc, ce que je vais faire, ça va être très simple. Je vais tout simplement l'ouvrir maintenant. Voilà. Oh, 17 gemmes. Oh là là, mais franchement, là, tu viens de tuer tout un monde. C'est pas très grave. Donc, du coup, alors, 47 d'or, ça fait plaisir. Un sorcier, ça c'est plutôt pas mal, ça il faut bien le noter. Et 8 gobelins à lance, bon, disons que ça passe les gobelins à lance, c'est plutôt pas mal. Non mais c'est vraiment pas mal en fait, c'est vraiment pas mal. Donc pour la prochaine fois on aura un petit coffre d'arène 8, mais c'est rien de fameux. Bah sûrement deux finalement, deux coffres d'arène 8, c'est rien de fameux, parce que le coffre d'or n'est pas arène 8, donc voilà. Mais bon, malgré tout, moi je veux toujours ma princesse, hein. Mais le bûcheron, c'est vrai que du coup, c'est vrai que j'avais oublié qu'il était quand même assez puissant. C'est vrai que ça, en le voyant, je me suis ressouvenu de ces vidéos que j'avais vues et le sort de rage comme ça qui sort et tout quand il se fait tuer. Bam 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 bam. Ça fout le bordel et tout, quoi. Voilà, mais bon, je sais pas. Franchement, je saurais pas vous dire. C'est vrai que ça pourrait être plutôt kiffant. Je sais pas. Donc du coup, alors, on a le coffre à couronne. On va l'ouvrir et en espérant. Je sais pas du tout s'il a arène 8 ou pas. 436, je crois qu'il a arène 7. Ouais, ça... Ouais, je crois qu'il a arène 7. Je suis pas sûr, mais je crois. Ouais, à ce niveau-là, ouais, à mon avis, je pense que oui. Et alors, qu'est-ce que ça donne? 2 gemmes, jusque-là, rien de bien étonnant. 8 barbares, ouais, jusque-là, encore rien de bien étonnant. Bon, barbare, c'est pas non plus... C'est fort, hein, c'est puissant, hein, mais... Voilà, niveau 7, hein, donc je l'améliore pas vraiment, j'utilise pas vraiment, quoi. Oh là là. Oh là là, mais ça faisait tellement longtemps que j'ai pas eu de Valkyrie. Là, il m'en donne 6. Tout à l'heure, il m'en a donné 3. Eh, mais oh, il est bon, lui. Allez. 43 gens royales, histoire de terminer nullement. Mais non, mais tu n'as pas encore terminé. Il te reste une carte. Effectivement, une petite épique, ça fait toujours plaisir. Voilà, un petit sort de rage, mon petit. Qu'est-ce que je te disais? Un petit épique, je t'avais dit. Non, je t'avais dit. Voilà, non, mais bon, moi, je suis devin, tu vois. Depuis...
depuis, ma sortie de troisième, vu que j'avais jamais les bonnes réponses, depuis ma sortie de troisième du collège, je suis allé voir un marabout de ficelle et je lui ai dit, toi, faut que tu me fasses devenir devin, tu vois. Et bim, depuis le temps, je suis devin. Eh ouais, mais c'est ça qui est bon, tu vois. Mais ouais, non, mais c'est ça qui est bon. Eh ben attends, bon, j'ai dû tuer quelqu'un pour avoir ce don, mais bon, ça c'est un détail. Ouais, j'ai dû l'égorger, c'est un détail. Voilà, après j'ai dû lui écarter le ventre, c'est un détail. Oh, tu vas pas non plus en faire une affaire. Hein. Non, c'est pas vrai, je déconne. Oh là là, comment il nous a grugé. Oh là là, il reste un autre coffre à couronne. Pourquoi est-ce qu'il l'a pas ouvert au début de la vidéo? Non, franchement, non. Il faut pas s'habituer à... Là, ça fait un petit moment que j'arrête pas d'ouvrir une coffre à couronne au début. Et après, un coffre à couronne à la fin. Oh, il y a un moment, faut ralentir la cadence. Hein. Non, parce qu'après... après, c'est... Enfin... Je peux pas vraiment vous dire la raison, mais c'est juste que... Si je commence à trop... Il y a un moment, je vais m'en mêler. Et puis, du coup, je vais plus pouvoir ouvrir de coffre à couronne du tout. Et donc, du coup, bah, je préfère pas... Pas bon, voilà, c'est... Oh, c'est bon, vous avez pas pleuré non plus. Oh là là, c'est qu'un coffre à couronne. C'est vrai qu'ils sont plutôt pas mal, les coffres à couronne, on va pas se le cacher. Alors, débloqué. Oui, c'est ça, voilà. Et franchement, je suis trop fatigué, je vais vous laisser sur ce. J'arrive même plus à réfléchir. Même juste pour appuyer sur un bouton, j'y arrive plus. C'est un truc de fou. Donc, on était avec ce deck. Juste avant, on avait Sort de Rage à passe des gardes. Donc, les gardes, pour ceux qui savent pas, c'est ceux-là. Voilà, garde niveau 2. Voilà. Donc, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire, du coup, à une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis, n'oubliez pas, restez cool.